C'est la paire qui déstabilise le pays depuis plus d'un mois. Le 25 octobre, un étudiant, Rémi Fraisse, 21 ans, est tué lors d'une confrontation avec les gendarmes alors qu'il manifeste contre le projet de barrage à Sivens. Une minute de silence à la mémoire de Rémi, le jeune militant mort sur le chantier du barrage de Sivens. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur publie un communiqué dans lequel il dénonce les violences des manifestants sans condamner celles des gendarmes. Les réactions politiques au drame se multiplient. On ne peut pas construire un barrage sur un cadavre. Tous les membres de cette assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. La famille, quant à elle, porte plainte pour homicide volontaire. Et ils ont découvert beaucoup de choses qui les ont encore plus affligés. Une semaine plus tard, le journal Mediapart parle de mensonge d'État. Le gouvernement aurait toujours connu la cause de la mort, une grenade offensive. Qui vous dit qu'elle a été tirée sur un groupe de manifestants? Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Mi-novembre, Le Monde enfonce le clou en dévoilant un procès-verbal dans lequel un gendarme témoin révèle « Je tiens à préciser que le préfet du Tarn nous avait demandé de faire preuve d'une extrême fermeté vis-à-vis des opposants. » Mais le ministre continue de nier toute responsabilité. « Est-ce qu'il y a eu des consignes données de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension? J'ai donné des instructions contraires. » Hier, rebondissement, l'inspection générale de la gendarmerie annonce « Au plan strictement administratif, je ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser une faute professionnelle. » Pas de faute professionnelle, est-ce que vous acceptez cette conclusion? De la part de la gendarmerie qui juge les gendarmes, ça semble un peu logique. Oui. Donc je ne suis pas particulièrement surpris par les conclusions de ce rapport. Je dois vous avouer que j'ai eu Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi Fraisse, quelques temps avant la publication du rapport. Et il n'était pas surpris, il m'avait dit dès le départ qu'il n'y aurait pas de faute établie dans le cadre de ce rapport. Quand des gendarmes jugent des gendarmes, il est évident qu'ils ne peuvent pas établir de faute. Le rapport ne dit pas qu'il n'y a pas de responsable, il ne juge pas là-dessus. Il dit qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles déontologiques et juridiques du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que, en gros, la grenade offensive qui a tué ce jeune opposant a été faite selon les règles qui sont en vigueur dans la gendarmerie, avec les sommations d'usage et avec le regard qu'il fallait. Précision. Et ça n'obère pas l'enquête judiciaire qui est en cours, évidemment, dont on va parler avec vous. Oui, mais ça a pour vocation à influer sur cette enquête judiciaire. Et quand on affirme, avec des éléments que l'on a, et en écartant certains éléments, puisque... Lesquels? Notamment les PV judiciaires, les PV d'audition judiciaire des gendarmes qui ont été auditionnés. Certains ont été publiés dans la presse, comme vous l'avez indiqué dans votre petit documentaire. Mmh. Et, mais ça pourrait vous rassurer, justement. Mais ces PV sont en contradiction. Que la justice s'intéresse aux déclarations des protagonistes de cette nuit-là. Alors, ça me rassure, mais ce qui ne me rassure pas, c'est que ces procès-verbaux sont en contradiction absolue avec les conclusions de l'IGGN. Quand on parle... Sur quel point, par exemple? On parle de maintien de l'ordre, premier point. Quand on parle de maintien de l'ordre, ça signifie qu'on est sur la voie publique. Il faut commencer par la base. Et là, je ne sais pas si on l'a dit beaucoup, mais on n'est pas sur la voie publique. On est sur les terrains privés. Et quand on est sur les terrains privés, on ne peut pas parler de maintien de l'ordre. Et tout ce qui a été fait, à savoir l'action des gendarmes, est illégale et illégitime. Ça, c'est le premier point. Les gendarmes sont parfois venus secourir des vigiles qui étaient attaqués, notamment pas le soir du drame, mais la veille notamment. Qui protégeaient la base vie du barrage de Sivens, là où devait se poursuivre le chantier le lundi suivant. C'est ce qui est expliqué clairement dans ce rapport. Il faut savoir ce que c'est que la base vie. La base vie, c'est un terrain... Une zone de terre où il n'y a absolument rien ce soir-là. Le soir où Rémi meurt, vous n'avez rien sur ce bout de terre. On a demandé aux gendarmes de venir sur un terrain privé alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est le préfet qui leur a demandé de venir. Et de tenir une position, et à mon sens, de créer un rapport conflictuel. Pour empêcher que les opposants s'installent comme ils l'ont fait à Notre-Dame-des-Landes, selon une technique qui a été pour empêcher la poursuite du chantier. Vous avez les travaux reprennent le lundi. Celui qui est compétent pour ça, c'est le juge judiciaire. Et d'ailleurs, les gendarmes sont à plusieurs reprises intervenus dans le passé avec une autorisation judiciaire, un juge qui dit « vous avez le droit de venir expulser des occupants sur ces terrains ». Là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils se sont installés sur les ordres du préfet, sur un bout de terrain, et ils ont créé un rapport conflictuel. – Attendez, ils ont créé un rapport conflictuel. Est-ce que vous voulez dire que… Est-ce que vous posez la question de savoir qui a agressé qui dans cette histoire? Est-ce que vous prétendez que les forces de l'ordre sont venues déloger un groupe de manifestants pacifiques ?– Non, ce n'est pas ce que je prétends. Je prétends que leur présence n'avait pas lieu d'être ce soir-là. Parce qu'ils sont sur un terrain privé et qu'ils n'ont pas le droit d'y être.
sans autorisation judiciaire. Mais parce qu'on peut laisser 150 manifestants se déchaîner, brûler un Algeco, brûler un groupe électrogène comme il l'avait fait la veille, et puis s'en prendre à des vigiles, lancer des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide. Enfin, ce qui est décrit dans le rapport, c'est d'une extrême violence et d'une augmentation de la violence au fil des heures. Il fallait laisser les manifestants livrés à eux-mêmes s'installer ? Certainement pas. Mais on a des règles, on est dans une démocratie, on est dans un état de droit. On a un juge, on va voir un juge, on obtient une autorisation et après on peut intervenir. Ou bien on a une demande du propriétaire du terrain et on intervient parce qu'on a des occupants sans droit ni titre. C'est comme ça, c'est en France, on a des règles. Donc vous dites que leur intervention était hors la loi, en fait. L'intervention des gendarmes est hors la loi. Je pense clairement que cette intervention est hors la loi. Et hier, au moment où le général Renault a parlé de son rapport et a essayé d'expliquer un petit peu... Qui dirige donc l'IGGN. Qui dirige l'IGGN. Eh bien, vous avez Noël Mamère qui a posé une question, et justement, il a posé cette question, à savoir, pourquoi est-ce que ces gendarmes étaient sur un terrain privé? On n'est pas en maintien de l'ordre. Le général Renault a répondu une chose très simple. Pardon, c'est un terrain privé qui faisait l'objet d'un chantier public. Non, c'est un terrain privé avec une déclaration d'utilité publique, mais c'est un terrain privé. Et il y a des règles en France. Et encore une fois, le général Renault, juste pour vous indiquer ce qu'il a dit à Noël Mamère, il a dit, je n'ai fait qu'exécuter, les gendarmes n'ont fait qu'exécuter les ordres du préfet. Il renvoie, de ce fait, la responsabilité au préfet qui avait déjà donné des consignes de sévérité extrême. Vous défendez la famille de Rémi Fraisse, opposant pacifique, passionné de botanique, sans antécédent de violence. C'est le portrait qui est dressé par tous ses proches. Avec sa famille, est-ce que vous vous demandez ce que faisait Rémi Fraisse à cet endroit, à environ 1,5 km du lieu de rassemblement de l'après-midi, à 1h du matin, au milieu d'un groupe ultra-violent? Mais on sait ce que Rémi faisait là-bas. Effectivement, il était venu la veille avec sa petite amie et des amis pour ce rassemblement pacifiste. Il y a participé. Où il y avait José Beauvais qui est venu témoigner là-dessus. Et des élus, et ça, c'était l'après-midi. Et pourquoi il va? Parce qu'il entend des bruits, et il entend des explosions, et il entend une violence extrême. Et il y va parce qu'il entend ça, et qu'il est injuste. Enfin, il pense que c'est totalement injuste ce qui arrive à ces manifestants qui sont là et qui essayent de protéger une zone. Un voix qui n'a pas le profil de ces manifestants. Mais il n'a pas du tout le profil. Qui sont armés, qui sont casqués, qui sont... Je pense qu'on a dressé de ces manifestants un portrait peu flatteur. Là, c'est à partir du rapport, des vidéos... Il y a une quinzaine de blessés chez les forces de l'ordre. Je pense qu'on a un petit peu forcé le trait. Il faut savoir que pendant pratiquement un an et deux mois avant les faits, on avait des opposants qui sont pacifistes, qui sont dans les arbres, qui sont... sur place, et qui viennent des gens qui ont été repérés à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez eu des personnes plus violentes qui sont arrivées et qui se sont confrontées aux forces de l'ordre. Et Rémi est arrivé parce qu'il a vu cette confrontation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi pensait qu'il n'y aurait pas de confrontation parce que le préfet avait indiqué la journée, la veille, aux organisateurs que les forces de l'ordre ne seraient pas là. Pourquoi les forces de l'ordre étaient là ce jour-là? Et pourquoi est-ce qu'on a tiré cette grenade? Et encore une fois, sur les fautes, quand on dit qu'il n'y a pas de faute dans ce rapport, quand on tire une grenade offensive qui a déjà tué, et quand j'entends le directeur général de la gendarmerie nationale dire, dans les premiers moments, cette grenade ne tue pas et n'a jamais tué, elle a déjà tué Vital Michelon en 77, dans les mêmes circonstances. Et moi, ce que je vois, c'est que cette grenade est tirée en l'air, alors que toutes les circulaires indiquent qu'elle doit être tirée à ras de terre, parce qu'on sait qu'elle tue, on sait qu'elle était létale. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on conclut un tel rapport en disant « il n'y a ni faute juridique, ni faute déontologique ». Parce que la procédure est respectée, effectivement, la procédure mise en place pour les gendarmes. L'enquête judiciaire est en cours. L'enquête judiciaire est en cours. Merci beaucoup, Ariel Imillon.